les chefs de toutes les agences militaires majeures ont été capturés par les nouveaux adaptoïdes de l'AIM. La panique s'est déclarée quand les gens ont vu les vaisseaux de l'AIM survoler les grandes villes du pays. Tandis que l'armée commence à se mobiliser, une forte tension s'abat sur la nation. Bien sûr, mes inventions, c'est... ce sont... mes inventions. Attendez, il se passe quelque chose. Attention, activité humaine détectée. Veuillez évacuer la zone immédiatement. L'AIM assurera votre protection. Monsieur, je capte un signal de détresse d'un sanctuaire de la résistance à New York. L'AIM essaie de nous piéger. Si on leur porte secours, ils feront croire qu'on Peut-être que ça nous nuira. Mais si quelqu'un a besoin d'aide, alors on l'aide. Faites ce que vous avez à faire. Ok, Cap. Nous partons à l'aube. Et là, la partie, les gars. Commencez l'aventure. Pim nous a envoyé les informations qu'il avait sur New York, si tu veux jeter un œil. Rejoins-moi au labo de Tony. J'arrive. Alors, Nat, qu'est-ce qu'on a ? On dirait que Pim traque ce truc depuis qu'il est apparu dans le ciel. Il ne semble pas suivre un itinéraire spécifique, donc on peut pas anticiper ses déplacements. Pim pense qu'il réagit aux alertes d'activité des agents de l'AIM en plus de ce que lui indiquent ses propres capteurs. Il va nous voir arriver. Probablement. La Résistance nous transmettra ses données pour qu'on puisse le localiser à tout moment. Ça pourra toujours nous servir. Parfait. Prépare le Quinjet. Je veux qu'il soit prêt à décoller au plus vite. C'est comme si c'était fait. Ça, j'ai pas trop compris à quoi ça servait ces trucs-là. Pour stocker peut-être du matos. Je sais. Rêve devient réalité. Prenez tout votre temps. Rien cette fois. Je vais le garder un peu comme. On le pète tout de suite. Dernière mission de la campagne. La campagne est courte, mais il y a beaucoup de contenu autour. Il y a tout l'arc initiative, il y a pas mal de trucs autour à monter.
Bon, et maintenant on fait quoi? Je ne sais pas si on va pouvoir entrer en ville sans se faire repérer. Il y a des chances que ta résurrection ne passe pas inaperçue. Alors il va falloir trouver quelque chose pour attirer leur attention. Comme par exemple un filet d'un. Je vais les occuper avec quelques éclairs. Ils ne te verront même pas passer. On nous appelle, monsieur. Prends l'appel. Quelqu'un nous entend? Ils nous ont retrouvés. Ils disent qu'on doit être soignés, mais on sait ce que ça veut dire. Pitié. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un a trouvé une radio? Ne crains rien, mon enfant. Vous serez bientôt tous guéris. Jarvis, d'où vient l'appel? Un instant, monsieur. L'appel provient d'un appartement dans la zone à évacuer. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il l'évacue? À cause de nous, les inhumains. Pour eux, nous sommes une infection. L'AIM fait croire aux gens qu'ils sont dangereux. La situation empire d'année en année. Il y a un coffre d'équipement à proximité. Thank you.
sécurité maintenant. C'était pas très malin. Bravo. Je détecte une unité spéciale hostile près de votre position. Vous pourrez peut-être récupérer des ressources utiles après l'avoir vaincue. J'ai localisé une autre cellule de confinement. Comment on a pu laisser ça ? On a une chance de les arrêter maintenant. Cherchez un coffre d'équipement. Yeah.
Tu ouvres ce coffre, oui. Oh! Grimpe ma vieille. Il y a un conteneur de ressources spéciales à proximité. Ok. Résistance a besoin d'aide non loin de votre position. C'est vide. Ce qui est mort devrait rester mort, Captain. Les faibles devraient laisser la place aux plus forts. Ça me rappelle quelque chose. Eux aussi ont perdu. Ils adorent s'écouter parler. Ça me rappelle quelqu'un. Oh, je me sens observé. Et aux souffrances. Nous ne sommes pas infectés. Un de nos alliés du Shield a besoin d'aide non loin de votre position. En attendant qu'on sécurise la route jusqu'à temps. Ok, on y va. Le docteur Pym nous envoie des agents pour escorter les survivants hors de la ville. Il les a prévenus, mais ils sont coincés à l'intérieur. Je transmets le code d'entrée de la planque. Cet objet volant se dirige droit dessus. Les patrouilles ont dû la repérer. Heureusement que l'un de nous peut voler. Il faut qu'on les fasse sortir de là.
bloque la route. Ce n'est pas un hasard. Excellent. Encore un agent éliminé. Beau travail. Cet agent est hors d'état de nuire. On va ajouter un petit peu. Encore un ennemi vaincu. Arrive quand ? Ces agents sont en route, mais ils ont encore besoin de temps. Je sais pas combien de temps on a. Compétence. Allez, go. La planque n'est plus très loin. Je détecte quelque chose dans l'atmosphère, un dérivé du térigène. Mais je n'ai jamais rien vu de tel avant. Est-ce que je suis en danger ? On les touche tant, non ? Pas faux. Cette chose qui traque les inhumains. On a essayé de sortir, mais ils ont des yeux partout. On s'occupe des chiens de garde. Ne vous inquiétez pas. C'est pas eux le problème. C'est ce truc, dans le ciel. Il est là. Restez à couvert en attendant que la résistance vienne vous chercher. Thor, je crois qu'on va avoir besoin de soutien aérien. Quelle que soit cette menace, j'irai l'affronter dans les cieux. Augmentation du niveau de térigène. Activation des masques respiratoires. C'est un warbot. Un warbot qui vole. Cette machine est la source du térigène altéré. Elle a été modifiée génétiquement pour repérer le gène inhumain et éliminer son hôte. Cette machine tue les inhumains ?
pour longtemps. Oh putain non. À part Thor et Herman est perdu en fait. Augmentation du niveau de Terrigène. Activation des masques respiratoires. Cette machine est la source du Terrigène altéré. Elle a été modifiée génétiquement pour repérer le gène inhumain et éliminer son corps. Cette machine tue les humains. Et pour longtemps. Risquer non plus encore une fois le...
fuite dans le temps. C'est quoi ce truc? Rapportons sa boîte noire jusqu'aux chimères pour l'analyser. Jarvis, je t'envoie la base de données du transmetteur du vaisseau de guerre. Trouve-moi d'où il vient. On cherche du plan de vol. Et Gène Noir. Tarleton essaie de tous nous tuer. On doit faire quelque chose. Il peut pas soigner les inhumains, alors il va tous les éliminer. Et il ne compte pas s'arrêter. Monsieur, si on en croit le plan de vol, la machine serait partie de la baie de San Francisco. Non, non, c'est impossible. J'ai survolé la zone des dizaines de fois après le Heyday. Peut-être que c'est une ruse, pour qu'on parte sur une fausse piste. Peu probable. Les radiations résiduelles et les dépôts minéraux sur l'épave confirment que le vaisseau se trouvait dans la baie récemment. Pourquoi personne ne l'a vu? Même chose que pour les vaisseaux de guerre. Camouflage. La quarantaine. Ni vaisseau, ni bateau admis. Sous le nez de tout le monde. Exactement. Monsieur, je viens d'intercepter un signal. Des vaisseaux. Des centaines qui se déploient sur San Francisco. Non! Non, des milliers de gens vont mourir si on fait rien! Alors on trouve la source. Et on la neutralise. Jarvis, un plan de vol pour San Francisco. Tout de suite, Captain. Ok. Bon. Si on doit s'attaquer à la forteresse de notre ami à la très grosse tête, à son armée de robots et à sa flotte de vaisseaux de guerre. Autant faire ça en beauté, non? Ouais. En fait, on dit pas vraiment ça. Hé, hey, détends-toi, petite. Oh non! Oh la déception! Les crashs visuels en plus. Ah non, je suis deg. Moi, je voulais, moi, Avenger Rassemblement. Ah, j'ai une armure. Jarvis, tu as la forteresse? Cartographie des radiations. Il a changé la tenue. En cours. Ce cher George a bien travaillé. Pile sur ton signal thermique, Cap. Probablement la source de l'artérigène. Nat, atterri. Kamala et moi, on s'occupe de la tour de contrôle principale. Thor, Tony, détruisez autant de générateurs que possible. Si on stoppe ce Avenger signal, Hulk, fraye-nous un chemin. Rassemblement. Pour la hyène. Enfin, 3 points. Calme-toi, Stark.
Eh, réponse, il y a des gens qui ont pas un millier d'années devant eux pour casser des trucs. Oh, tu lui as manqué, Thor. Je me souviens de ces moments passés tous ensemble comme si c'était hier. Tu auras à faire des blagues de papa, Cap. C'est bien. Aucun signe des autres éléments. Gardez-toi, ils sont forcément quelque part dans le coin. Je me demandais quand mes vieux amis allaient se montrer. Ça me met les larmes aux yeux de vous voir tous réunis près de nous. Vous me facilitez la tâche en venant vous faire tuer. Je n'ai même pas eu besoin de venir vous chercher. La partie est finie, Jean. Je vous tiens. Optimiste jusqu'à la fin. Vous allez mourir le sourire. Ok, tu prends un truc en plein. Avec moi. Ils auraient bien voulu un monstre plein de rayons gamma dans leur camp. Bah, ils en ont un, l'abomination. Mais il n'a pas été entraîné en interne. Et c'était une erreur, Jean. Ne m'appelez pas comme ça. George a échoué. Madoc, non. On ne peut pas guérir de ça. Ou de ce qu'on est devenu. Que voulez-vous dire? Le pouvoir ne peut être contrôlé. Je le sais maintenant. Nous devons le détruire. Madoc. Non. Notre sacrifice restera dans l'histoire, Captain. Tout le monde a entendu. On va aller s'occuper de cette tour. Et de sa tête. Je te suis. Moi aussi. Très bien. On peut pas atteindre le dernier transmetteur dans le Quinjet. Il y a trop de tirs. On s'en occupe. La porte devant nous mène à la base du transmetteur. Je vais suivre Hulk. Et essayer de ne pas me tuer en tombant. Bonne idée. Juste une seconde. J'accède au système. Je m'en charge. Surveillez les générateurs du champ de force. S'ils virent jaune, détruisez-les. Tuez le capitaine Rogers. Sans lui, ils sont perdus. Hé, je crois que j'ai compris ce qu'il vient de dire. Oh, Hulk, c'est une gamine qui t'écoute. Vas-y, mollo sur les insultes. C'est inutile, capitaine. Vous menez les vôtres à leur perte, comme ils vous ont mené à la vôtre autrefois. Et pourquoi? Aucun de vos précieux fans ne saura que vous êtes. Ok, je suis derrière le truc, mais tu touches pas à votre décor. Mais tu es bien l'art du monologue de méchant, vous trouvez pas? 5 ans d'entraînement. Elle commence à te ressembler, Stark. On y travaille.
Oh! Je prends des tirs, mais je vois pas les mecs, quoi. Et même pendant les esquives, tu prends des dégâts, c'est chiant. En plus, ils te font des mini-esquives, quoi. Ton personnage, genre, il pourrait au moins faire une roulade. Non, non, il fait juste un. Mais le laser, il fait la taille de ton perso. Tu te fais. Ah, il chute une jambe. T'as vu que j'ai quand même, j'étais en plein milieu d'une roulade et il m'a fauché au vol, quoi. J'ai exposé les générateurs du champ de force, Cap. Détruis ce bouclier. Merci, Enak. Désactivé. Nat, tu t'en sors avec la porte? Difficile de pirater et de se battre en même temps. Tu ne t'amuses pas? Vous voyez ce que je vois? Ces adaptoïdes, ils ont des pouvoirs d'inhumains. Je les vois, mais on a une mission. Laisse Cap s'en charger. C'est la raison qui doit nous animer. Le temps des héros est révolu. La grosse tête est encore en train de bavasser, vraiment? Ah ok, les roulades en fait ça sert à rien quoi. Regarde, il tire à travers le décor. Comment tu veux te défendre si même quand tu te mets derrière des planches ça passe à travers? Regarde, tu peux pas esquiver.
Oui, j'ai vu. Eux qui me regardent de loin. Bam, c'est une histoire ancienne, mon pote. Kamala. Je sais, je me concentre. Hey, moi j'ai tout vu et je t'ai trouvé génial. Merci. Ouais, c'était assez génial. Tu te fais toucher une seule fois, t'es mort. Ah, c'est quand je le touche. Déploie d'un coup de main, réponse. C'est princesse réponse pour toi. Comme si un suffisait pas de nous en faire péter trois. Merde, je peux pas esquiver! Y'a rien qui me balance un laser là, il est où ce putain de truc qui me tire dessus là? Princesse réponse pour toi. J'arrive. Là, dès que t'attaques quelqu'un, tu es niqué dans le dos. Je tiens le pari. Regarde, regarde-le comme il bug en haut à droite. T'as pas le tort, hein. Vachement pratique. Voilà. Genre, il n'y a pas les trois qui viennent t'aider. Il y en a qu'un au hasard. Et comme pas là, faut que ce soit celui qui est en train de faire contre le mur. Ouais, sérieux, quoi. J'ai presque fini avec la porte.
l'armure tient le coup? C'est ta manière de me demander si j'ai fait du poids? Non, pas du tout. Hey, tout le monde n'est pas un super soldat. Paris d'Idolin, le Tony est en pleine cure de détox. Je tiens le pari. Je préfère garder le silence. Je suis dans une salle qui doit servir à conduire l'électricité. Sûrement pour le dernier transmetteur. Tout est électrifié. Cherche des commutateurs. La IAM doit avoir prévu un moyen de tout désactiver pour la maintenance. Il y a un truc qui cloche. On n'a pas encore vu les inhumains. Souviens-toi du niveau de sécurité de la prison. La IAM ne va pas nous les donner si facilement. Mais on peut pas les libérer tant qu'on n'est pas certain que la IAM ne va pas les gazer à mort. Tony, un peu de tact. Oui, désolé, Kamala. Non, t'as raison. Il faut qu'on arrête ce signal. M'en charge. Couvrez-moi. Captain, vous n'étiez pas là. Vous n'avez pas entendu les témoignages. Toute cette douleur. Personne ne devrait avoir à vivre ça. Là-dessus, au moins, on est d'accord. J'ai vu ce qu'il se passait quand les gens au pouvoir décident qui mérite de mourir. Je ne vais pas laisser l'histoire se répéter. Alors, ne nous obligez pas à vivre un autre Heyday. Mais vous et moi ne l'avons pas vécu. Ça fait partie du problème. Arrivé à monter. Voyons ce qui se passe. Yo, Rochelle, arrêtez. Je suis prête. Prudence, Cap. Je détecte des fréquences électromagnétiques dans cette tour. C'était trop facile. Je ferai de mon mieux. Je dois les pousser à se rematérialiser pour pouvoir les frapper. Tout va bien de votre côté? J'aide très plutôt à tenir les méchants! Continue comme ça!
source d'alimentation du transmetteur est censée être juste au-dessus de toi. Alors on monte. L'esprit l'emporte sur la matière. On dirait que le transmetteur est alimenté par trois noyaux. Élimine ces types, et je te trouverai un terminal pour ouvrir les boîtiers qui les abritent. Il en arrive toujours plus. Notre cause est juste. Notre nom importe peu. Marrant, j'aurais dit le contraire. Comment ça se passe, Cap ? Fais un peu de ménage. Terminal. Ouvre les noyaux, puis détruis-les, et le signal devrait s'interrompre. Et les inhumains survivront. Nous pouvons nous en sortir avec toute notre humanité, Captain. Nous n'avons pas la même définition d'humanité. Au cas où il aurait pas remarqué. Dans Inhumain, voilà. Y a l'humain. On dirait que le cerveau géant vient de recevoir une bonne leçon d'une simple ado. Cap, tu y es prêt? Plus la IM riposte, plus je me dis qu'on est sur la bonne. Putain! Petite pute qui t'arrive dans le dos, quoi. Trop long les chargements, putain, quand tu meurs et que tu dois réapparaître, c'est beaucoup trop long, ça te coupe dans l'élan, t'es plus dans le combat et c'est vraiment que tu enchaînes des défaites, quoi.
AIM, Riposte. Plus je vous dis qu'on est sur la bonne voie. De sages paroles, Captain. Le dernier noyau. La transmission devrait être interrompue. Non, je détecte encore un signal. Il vient du site d'excavation. La signature thermique du Heyday qui a causé les séismes. Quoi qu'il se cache derrière ces murs, Modok veut pas le découvrir. On a de plus gros problèmes, Cap. Merde! Je rêve ou il vient durer? Merci, Tony. Je suis un peu occupé, là. Ouais, détruis ces canons. M'en occupe. Moi de même. Bien, rejoignez-moi ensuite. Mourez, Avenger. T'en penses quoi, Cap? Cette balise était sûrement un leurre. Tarleton arrive encore à transmettre. Vous ne parviendrez pas à contenir la marque inévitable du progrès, Avengers. Ça devient de plus en plus bizarre. Qu'est-il arrivé à sa tête? Vous pouvez me ralentir, mais j'ai assez de bruit pour recouvrir le monde. Avengers, rien ne peut sortir de la zone de quarantaine. Tony, détruis ces propulseurs. J'ai cru que tu me demanderais jamais. Bon sang, George, tu tues des gens innocents. Pas de sarcasme, Stark. Ça ne vous ressemble pas. Cherchez la tête du haut et monte du ciel. On va peut-être détruire ces propulseurs. Ok, prends le relais.
Déployez-vous tous. Gagnez-moi. Monica m'a déjà contaminé avec votre sang, Capitaine Rogers. Elle m'a transformé en ce que je hais le plus au monde. Et je mourrai avec eux. Au bien de tous. Le fruit dans son dos produit beaucoup d'énergie. Mon charme. Plus d'options. Hey, me voilà. Nestora, t'es puissant, frappe-le. C'est son bouclier tombera. J'ai compris.
À 2 mètres du sang quand même. Hein. Je te suis là. Tiens, parce que j'esquive hein, quand même, hein. Tu vois le mouvement quand même. Hein. Mais tant pis quoi, c'est nul ta race. Vous ne comprenez pas. Vous faites du mal aux gens. Moi seul, je peux vous arrêter. Qu'est-ce que c'est que ça? Une sentinelle crie. Cap, je crois savoir comment il fait tout ça. La gêne sur ta tête n'est pas là que pour faire joli. Je crois qu'on a de plus gros problèmes. Ouais. Oh, dirais-tu une pierre d'infini, non?
vivre. Tu penses que tu peux utiliser ce pouvoir pour faire le bien. Mais tu n'es pas une héroïne. Tu n'es qu'une erreur. La seule qui reste à convaincre, c'est toi-même. Je ne savais pas que t'avais trouvé que ça pouvait grandir aussi grand. Elle en donne d'avoir marre, la pauvre, de ses venir à chaque fois. Hey. T'es vivant? Wow, vas-y doucement. Je suis fier de toi. Bien joué. Oui, faudra bosser sur ces évanouissements, mais c'était bien. En effet. Bien. C'était plutôt génial. Merci. Vous pourriez nous laisser un moment? Quoi? Pendant tout ce temps, j'ai pensé que c'était moi ton guide et... j'avais laissé tomber. Enfin, ce que j'essaie de te dire, c'est... merci. Je peux te demander un service? Tu sais que tu n'auras plus jamais le droit de sortir. Oui. Bien. Dorénavant, il n'y a que l'école. Et t'es... sorti sur le terrain. Vraiment? Oh, Abou! Je suis si fier de toi, Beta. Mais... on ne dit rien à Ami, d'accord? D'accord. Viens. T'as quelque chose à manger? Bien sûr. J'ai trop faim. Étant maintenant élu scientifique suprême, j'éliminerai tous les éléments les plus faibles. Plus de surprises. Nous pourrons nous concentrer sur nos objectifs, pour une innovation planifiée avec soin. Ne vous y trompez pas, l'AIM est toujours le futur. Du clonage au voyage dans le temps, les possibilités sont infinies. Bien. Monica. Il va sortir de l'eau, non ?
Ah non, plutôt ça va ça prévoit un truc pour l'espace, donc genre Ronan ou des cris qui viendront attaquer vu qu'on a détruit le Sentinel Cree. Donc ça doit être une sonde spatiale, galactique. Monica, donc le toujours combat entre deux, donc on n'a pas fini. D'où le fait peut-être que Captain Marvel arrive dans les personnages dans les prochains persos. Et bah ça a été une putain de bonne bon délire. Et encore toute la partie initiative qui sert multijoueur, évidemment. Toute la partie des boss type abomination, task master, etc. La montée des persos. Donc voilà, donc bah j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et moi je vous dis bien à la prochaine pour prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Peace. Surtout partager, liker et oublier.